Disons que, disons que 60 millions. Voilà. Ça veut dire que Sam Bender et son équipe ont pris 1 milliard 140 millions. Voilà. C'est ça. Ils savent que dans ce compte, 10 millions. 10 millions. Donc, ouais, ils ont pris 1 milliard 130 millions. Voilà. Que Sam Bender et son équipe ont pris. Mm-hmm. Madame Beko, quand vous écoutez ces chiffres, lis-nous quand même quelques noms. Hein. Je vais vous donner quelques noms. Vous-même, vous essayez d'analyser. Là, nous avons fait une exploitation sur les noms des artistes qui ont touché plus de 400 000. Vas-y. Il y a certains qui méritent plus que ça. Il y a d'autres qui ne méritent même pas ça. Mm-hmm. La personne qui a touché le plus d'argent s'appelle Ange Vanian. Ouais. Elle a touché 821 025 francs. Annie Anzouer. Elle a chanté quoi? Ouais. C'est Dieu seul qui connaît. Okay. Annie Anzouer, 572 325 francs. Donc Ange Vanian a touché plus qu'Annie Anzouer. Plus que tous ceux dont je vais lire les noms. Okay. Dinabel, 682 397 francs. Roger Etia, 408 200 francs. Donc Ange Vanian a touché plus que Dinabel. Oui. Voilà. Benji Mateke, 433 660. Missengo François, 551 000. Missengo, Missengo, on m'a toujours dit que et si tu partais, l'un des artistes, le plus gros répertoire du Cameroun, le plus gros, il y en a, Missengo et Petit Pays, le plus gros répertoire du Cameroun. Moni Billet, vous savez que Moni Billet touche à deux titres. Il est d'abord auteur-compositeur et éditeur de musique. Ouais. En tant qu'auteur-compositeur, il a eu 608 998. Et en tant qu'éditeur de musique, 185 000. Dinali, 552 711. Ta fille a touché plus que toi. Sergio Polo, 607 899 francs. Ndedi Eyango, 340 000. Oh oh, 640 000. 640 000. L'un des artistes les plus prolifiques du Cameroun. Ange Vanian a eu 800 000 devant Dédé Yango. Donc, Sam Bender donnait l'argent à ces gens. Sam Fantoma. De l'autre côté aussi, Dédé Yango a encore touché 335 000. En tant qu'éditeur. Ça n'a pas de sens. Parce que Playa Music a produit l'un des grands succès qui est Ayo Africa. Et demandé à Dieu. Et Jackie Kingé. Maro Chamba. Tani Foué. Davis Mambo. David Mambo. Dema System. Papa Zoé. Oui. Donc, vous citez rien que cela. Et Sans Fantoma, 648 356. Njora, 407 334. Bismarck, 403 097. Donc Bismarck a touché que Madame Mama Beko. Oui. Folie Diran, 510 300. Folie Diran a chanté qu'un morceau. Oui. Oui. Donc, dès que tu es l'ami de Sam Bender, Saint-Désir Atango, 489 172. Oui. Bikula Eric, bon, je ne connais pas, 450 714. Roméo Dika, 458 403. Mais je vais vous dire une chose sur Roméo Dika. Oui. Roméo Dika n'a pas touché à cet argent. C'est-à-dire il les a simplifiés. Il les a laissés avec cet argent. Okay. Et ils ont mis sur le feuillet 458 403 francs. Pasto, 476 711. Martin Meva Magloire, 429 644. Minko Minko Simon Patrice, 546 684. Ngovina Ndinga Isumba, 444 660. Gilbert Dacus, 482 840. Bon, moi je vais dire ceci. Hein. Oui. Hein? Oui. Je sais, moi j'ai eu 1 137 000. Toi, ils t'ont payé au quartier. Hein? Donc, au quartier, je n'ai même pas eu de feuillet. Rien. Je n'ai pas eu ça, dit rien de prouve que j'ai touché. C'était fait exprès. Oui. Parce qu'ils savaient que si tu arrivais à Express Union, on ne te donnait pas le reçu, tu allais casser la banque. J'allais casser tout. Connaissant ton tempérament. Oui. Donc, c'est pour ça que les vous comme ça, les semaines-ci, ils vont faire une sortie que personne ne va contrôler. Il me l'a dit sans parler voilà. Ce matin. Maman Beko, voilà, sur 1 milliard 200 millions, vous avez eu 193 000. 193 000. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte demander cet argent à Sam Bender partout où je vais le trouver. Ah bon? Oui. Vous allez demander comment? Je vais l'attraper. On demande comment en Afrique. Je l'attrape, il me donne mon argent. Oui. On va ailleurs. Parce que vous méritez au moins absolument 20 millions dans cet argent. Parce que, attendez. Quelqu'un qui prend des millions des artistes et l'utilise comme il veut, il a déjà fait un concert. Sur le regard du gouvernement. Il a déjà fait un concert quelque part. On a mis le nom de Sam Bender que voilà un artiste. Il n'a jamais fait. Donc, les artistes qui ont représenté le Cameroun. Tu vas l'attraper, vous finissez là.
Je dis bien que si je l'attrape partout, vous allez seulement venir avec les cartes pillards pour nous séparer. Nous, on va te soutenir. Mon argent va sortir. Oui. Oui. Je la connais quand elle parle. C'est une ancienne sportive, capitaine de l'équipe nationale de handball du Cameroun. Voilà, et moi, je n'ai pas cette médaille-là pour jouer au billes. Oui. Voilà. Moi, je ne suis pas venu, je ne joue pas au billes. Ça, ce n'est pas la médaille négociée. Non. Il faut, elle était capitaine, donc comme Magnan. Elle était capitaine d'équipe de handball. De handball. C'est avec elle que le chef de l'État avait dit un seul mot. Voilà. Parce que les gens ont distribué les médailles là-bas à certains artistes au ministère. Mais il y a les artistes, moi je n'ai pas de médaille. Alors qu'il y a les artistes qui n'ont même pas encore vendu le tiers d'album que moi, Lourdes, j'ai vendu, qui ont les 6 médailles. Moi je m'en fous. Parce que même le Franco-Ti François, qui a employé tous les grands artistes de ce pays, de petits pays à grâce d'État jusqu'à pendant 28 ans, avec Pomari, est mort sans médaille. Alors qu'il était même dans, il était dans le RDPC, il était maire, il était tout. Il est mort sans médaille dans un pays organisé. Je suis désolé, ce pays est à refaire. Je suis désolé. Je dis que Côté François, grand membre influent dans le RDPC, tout le monde connaissait. Oui. Maire de Bonaléa. Maire de Bonaléa. Hein? Promoteur de Fomari, meurt sans médaille. Quand il meurt, on va lui donner la médaille à qui se postule. J'ai voulu parler, j'ai voulu dire que n'acceptez pas la médaille là. Quand c'est le gars qui parle, on dit qu'il donc va là-bas. Mais en temps normal, on ne devait pas accepter qu'on lui mette la médaille sur son cadavre. Parce que de son vivant, on ne lui a pas donné cette médaille. Il y a l'artiste Davis qui vient d'arriver là. Moi, je voulais dire tout simplement. Attendez, moi, je voulais dire quelque chose. Nous sommes dans un pays où on ne reconnaît pas les icônes. Ce que nous avons donné à notre pays. Parce que souvent on dit qu'on revendique, on a fait quoi? On a fait quoi? Moi j'ai fait. Et je ne parle pas ici pour moi-même parce qu'il y a une multitude d'artistes comme les Dinabel qui reçoivent 500 000 et les autres reçoivent, les moins connus qu'on ne connaît même nulle part, reçoivent les 800 000. C'est outrant. Je suis outré. Je me demande si on nous gouverne quelque part. Parce que là. Nous ne sommes pas gouvernés. C'est le désordre. C'est trop. Parce que moi, je revendique cet argent. Je ne peux pas laisser passer ça. Ne laisse pas, maman. Partout où je verrai d'ensemble, depuis que c'est lui qui part à la banque, qui prend 450 millions des artistes. Nous, debout pour nos droits, nous avons lutté pour que Sambede vienne nous montrer. Et pourquoi il est au courant que tel n'a pas payé? Parce qu'il était là pour déranger les PCA. Par exemple, le PCA de la SOCAM était là. Le PCA de la SOCAM envoie son ordonnance, sa facture, par exemple, aux brasseries. Sambede vient aussi envoyer et dit que la SOCAM est illégale. Bon, Maman Beko, ça c'est une promesse, hein? Partout où vous allez rencontrer Sam, vous allez l'attraper, que donne-moi mon argent ici. Puisque on parle et rien ne se passe. Voilà. Donne-moi mon argent, c'est la police qui va vous séparer, c'est ça, non? C'est là où la mon voilà, où est-ce? Là, c'est déjà 30 minutes. Nous allons couper le direct pour ne pas être long. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Parce que ça, c'est jusqu'à la... Suivez cette affaire jusqu'à la fin. On ne lâche pas. Nous faisons maintenant les directs pour que la présidence soit sensibilisée que Sambede a pris 132 millions. Parce qu'il a dû subir 60 millions. Voilà. Ils ont laissé 10 millions dans la caisse, ça fait 70. Ouais. Donc ils sont restés avec 132 millions. Devise Mambo, parce que tu as dit quelque chose. On veut les comptes. Je suis dans la même lancée, je suis Davis Mabolo Pakebo. Je m'habille très bien parce que je respecte ce métier. Monsieur Longuet, très content parce que tu viens avec Longuet TV pour que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. Je n'ai pas beaucoup à dire. Mais Monsieur Sambede, je te connais plus que tout le monde. Ces gens qui sont à côté de toi aujourd'hui, il faut leur dire que c'était chez moi la base. Si tu étais venu comme Jésus-Christ, je serais avec toi jusqu'aujourd'hui. Mais comme toi, tu oublies très vite. Mon argent, je veux mon argent. Tu as eu combien? 131 000 francs. 132 000. Davis Mambo. Donc, j'ai pris la peine
comme je suis respectueux, je les appelais. Ils m'ont dit, oh ouais, c'est une confusion. On a même oublié que tu venais de sortir, tu as sorti la chanson, et on dit qu'à ce moment-là, vas-y, doucement, oh là là, on va réparer ça très vite. Faites une requête, tu envoies. Jusqu'aujourd'hui, quand j'appelle, ils ne prennent plus le téléphone. Alors, moi je suis un délobot, je m'en fous. Même si je meurs maintenant, je ne regrette plus. Et tu vas aussi faire quoi? Oui. Je vais t'attraper. Oui. Tu vas me donner mon argent. Amen. Parce que, un, oui, je faisais partie de la lutte contre la piraterie à la CMC. J'ai cassé mon pied et le bras était sauté. Même pas l'argent de l'ordonnance, ils n'ont pas payé. Même pour faire la radio, ils m'ont nargué. Ils pensaient que je vais mourir. Mais voici debout, je suis bien habillé. J'ai bonne mine. Ouais. J'ai pas de problème. Mais mon argent là, le droit d'auteur. Tu as eu combien encore? 131 000 francs. 131 000 francs. Alors qu'il y a des ozos, on ne connaît même pas les chansons qui ont eu des 400 000. Comme Bill Loco Junior. Comme Bill Loco, comme les Roger Tia. Comme les Roger Tia. Oui. Je n'ai rien contre lui, mais je pose encore la question. Oui. Quelle est la chanson qui doit lui donner 400 000 francs? Dis donc. Comme 1007 chansons là. Parce qu'ils font les salamalek derrière sans bidet. Monsieur, moi je ne le fais pas. Je veux mon argent. Salam alaikum.